émission appelée Philoscopie, présentée par le philosophe Tom Benoît. Des invités exceptionnels, Jean Nouvel et Michel Onfray, seront dans cette émission. Nous en verrons un extrait dans un instant dans ce journal. Donc je ne pense pas que, que la ville elle soit obligatoirement libérale, d'une part. D'autre part, quand vous dites la ville c'est l'argent, bah, la campagne aussi. Si vous n'avez pas d'argent dans les campagnes, il faut. C'est-à-dire que c'est plus dilué et plus direct. Parce que quand je parle d'argent, je voudrais apporter une définition par rapport à l'argent. Je pense que toute monnaie, toute traduction financière, en tout cas, représente de l'énergie. La catastrophe aujourd'hui, c'est qu'on atrophie l'architecture, on la banalise, donc on assiste à la mort de l'architecture. Alors, est-ce qu'on manque également d'éducation ? La mort de l'architecture, ça veut dire qu'il faut revenir à ces discussions théoriques du début du XXe siècle et la différence entre construction et architecture. La condition de possibilité des énergies douces, c'est l'énergie nucléaire. Sans énergie nucléaire, pas de possibilité de frimer avec les écologies douces. Bon. Moi, je dis, vous voulez vraiment faire des efforts. Là, on dit, oh là là, Poutine, le grand méchant, il va falloir absolument qu'on invente quelque chose, parce qu'on ne va pas pouvoir se passer de son gaz. Il va falloir qu'on se passe de son gaz. Donc, il va falloir que dans les foyers, on puisse baisser d'1 ou 2 degrés. Tout le monde, là, il va falloir, etc. Ah, mais moi, je propose un truc formidable. 6 mois sans ordinateur.